Yo tout le monde, c'est Cédric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2023 et aujourd'hui on va parler du sixième épisode de ce Grand Prix de cette saison 3, dernier Grand Prix de l'année avant de faire une pause bien méritée, j'ai envie de vous dire, dernier Grand Prix de l'année avant de faire une pause puisque vous le savez, il y aura Noël, on est en période de fête actuellement. Au moment où vous voyez cette vidéo, pas encore, au moment où je tourne cette vidéo, puisque nous sommes à lundi soir, au moment où je tourne cette vidéo, il est 20h30. Vous la voyez, on est en période de fête, il y a déjà eu Noël qui est passé, et il ne restera plus que Nouvel An, et on se retrouvera donc à la reprise au mois de janvier. Dernier Grand Prix de l'année, et pour ce faire, pardon, on se rend donc à Miami, et on est sur mon tableau de bord, et je vais vous parler un petit peu de ce qui peut arriver dans les prochains jours, le châssis et l'aéro, puisqu'on a décidé d'améliorer tout ça, et on part tout de suite pour les qualifications. Vous l'avez vu, il va pleuvoir pour les qualifications, il fera beau en revanche pour la course, donc on y va, c'est parti, sixième qualification de cette saison 3. Alors, les qualifications, les essais libres, pardon, se sont plutôt bien passés puisque on a bien travaillé et on continue de bien travailler, à bien développer cette voiture cette monoplace plutôt qui prend forme et on est un duo, on va dire entre guillemets gagnant pour l'instant puisque puisqu'on gagne quasiment toutes nos courses. Sur ce Grand Prix, enfin sur l'ensemble des Grands Prix depuis le début de l'année, il y a malheureusement un Grand Prix où on a laissé échapper le doublé à Mercedes. Pour ceux et celles d'ailleurs qui n'ont pas vu le dernier Grand Prix, je vous laisse aller le voir. Il est disponible sur ma chaîne YouTube et on va parler un petit peu d'ores et déjà ce qui nous attendra pour l'année prochaine dès le lundi 8. Reprendra dès le lundi 8, dès le mardi 2, pardon, on reprendra les tournages. On reprendra les tournages, pardon. Pardon. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, c'est la dernière qualification de l'année civile 2023, puisque vous voyez actuellement le dernier Grand Prix de l'année. Et au moment où je tourne cette vidéo, c'est la dernière semaine de tournage. Donc demain, on se retrouve donc du coup pour ce qui est de la suite de. En fait, il faut savoir que il y a une semaine de diffusion, une semaine de tournage pour la semaine qui suit.
là, on est en plein cœur de la semaine de tournage. Alors, bon, on sera pas en plein cœur de la semaine de tournage, parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il n'y aura pas de tournage à compter du 22 décembre jusqu'au mardi, lundi 1er janvier inclus. C'est-à-dire qu'on reprendra les tournages le mardi 2 janvier 2023. Et donc, vous voyez les dernières vidéos de l'année civile de l'année 2023. Et vous verrez cette vidéo, enfin, je vous attends. Ceux qui regardent un peu les vidéos, et si on devait faire déjà le bilan de l'année, c'est vrai que ça a été des vidéos, il y a eu des bas, il y a eu des baisses aussi, hein. On a eu un moment de baisse, attention, et puis devant Verstappen, très logiquement, il y a eu des baisses, hein. Il y a eu des périodes où il y a eu des périodes où on était bas en termes de visibilité. Il y a eu des périodes très hauts en termes de visibilité, et on continue d'ailleurs en ces périodes de fête à avoir une visibilité très haute. Le but l'année prochaine, ça va être d'éclaircir un petit peu certains points avec vous et avec ceux qui m'entourent autour du gaming. Le planning sera le même. Je vous donnerai normalement demain une vidéo avec toutes les explicatives de ce qu'on a eu cette année et de ce qui nous attend l'année prochaine, avec des nouveautés, avec des reprises, Il va y avoir de la nouveauté à partir de l'année prochaine, je vous en dirai un petit peu plus d'avantages, mais ce sera officiel. J'ai eu le bonheur et la chance d'avoir été contacté par quelqu'un qui souhaiterait à ce que je commente leur course de Formule 1 au cours de l'année. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère que ça va durer longtemps. Ça va peut-être nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité. Alors pour là, on va améliorer d'une demi-seconde pleine en 1.39.7. Ça suffira largement, hein. On va pas aller plus loin, mais ça suffira amplement. Donc je disais, quelqu'un qui roule sur F1 et qui font des championnats RP, qui cherche des commentateurs, et on va beaucoup beaucoup streamer, et je pense que ce sera le lundi entre 21h30 et 23h de ce que je sais. Tout ça, bien sûr, reste à confirmer, à prendre également avec des pincettes. Vous aurez toujours la vidéo, je streamerai toujours, pas de panique. Vous m'aurez toujours en tant que streamer toute l'année, de janvier à décembre. Sauf, bien sûr, quand je partirai en vacances. Les qualifications viennent de se terminer. Revoyons qui sont les trois premiers. Philippe, Verstappen et Lando Norris. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Ouais. Okay. Donc je disais, on m'a contacté par message chat tout à l'heure pour demander si je pouvais commenter des courses de Formule 1 RP. J'ai dit oui, avec grand plaisir, parce que justement, ça va peut-être, je dis bien peut-être, nous permettre de développer notre chaîne. Ça va peut-être nous permettre de développer la chaîne YouTube et Twitch aussi, parce que forcément, la carrière continuera. Elle fait une pause au moment où vous voyez cette vidéo. Donc, vous voyez le dernier Grand Prix de l'année, et bien évidemment que
Ça, c'est la deuxième pause, je crois, troisième pause de l'année entre le fait où je suis parti en vacances. Vous avez eu hein, cet été 2023 où je suis parti en vacances. J'ai eu ma semaine de la semaine où j'ai eu dû tourner tous les épisodes de Spider-Man. Et du coup, voilà. On va se replonger dans la F1 et les qualifications. Par contre, là, il y a vraiment, vraiment, vraiment un problème pour Max Verstappen. Parce que là, il vient de se prendre 3 secondes 4 sous la pluie. Regardez les écarts. Et pourtant, j'ai rien touché. Hein. On est toujours avec les IA au même niveau. 3 secondes 6 entre Norris et moi. 3 secondes 9, 4 secondes. 4 secondes 1. Ouais, entre 3 à 4 secondes. Par rapport au top 10, donc ça commence à entre Sato et moi, et moi, du coup, il y a 4 secondes 3, les écarts commencent à se faire ressentir. 3 secondes 4 pour Verstappen, ça fait beaucoup pour mon coéquipier là, 3 secondes 4, mais c'est comme ça. Voilà, je vous parle pas de la grille de départ parce que vous savez qu'on va la revoir à la présentation de. La course, on a battu notre rivalité, on a gagné notre rivalité face à Carlos Sainz. On est au niveau 23 en termes de popularité d'écurie, ce qui est plutôt pas mal. Bientôt le niveau 25, il faudra attendre encore un peu avant d'être au niveau 25, mais on y arrive petit à petit. Je ne peux pas d'ores et déjà vous dire, dès le 6e Grand Prix, s'il y aura une saison 4. Ça reste encore à confirmer au fur et à mesure des Grands Prix et on part tout de suite pour la sixième course de la saison. Faut que je passe jeudi. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est un lundi soir. Alors, pour info, il y aura exceptionnellement live jeudi. Exceptionnellement. Mais rien de sûr encore. Nous nous Mais retrouvons sur la côte est voilà. de la Floride pour le Grand Prix de Miami. Ce circuit est le 11e tracé utilisé pour un Grand Prix américain et les tribunes sont pleines à craquer aujourd'hui. Espérons que l'action sera au rendez-vous lors de la course. Le circuit de Miami s'étend sur 5,4 km et serpente autour du Hard Rock Stadium. Ce sont 19 virages qui composent l'autodrome international de Miami et ces derniers mettront au défi les pilotes dans une course pleine de batailles roue contre roue. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Philippe part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Magnussen, Oscar Piastri, Drugovic, Sainz, Ocon, Albon, Sato, Fernando Alonso, Russell, Hamilton, Leclerc, Joe, Gasly, Tsunoda, Liam Lawson, Sargeant, Bottas, Théo Pourchaire et Nick De Vries. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Je suis à nouveau aux côtés de Jacques Villeneuve. Dites-moi, à l'évidence, il y a un gros effort de développement sur ces voitures entre chaque Grand Prix. Vous qui connaissez le travail des pilotes d'essai et pilotes de course, pouvez-vous nous expliquer la différence? C'est une question intéressante. Alors, nous voilà sur la grille de départ de ce sixième rendez-vous. Pour ceux et celles qui se sont demandé si on n'avait toujours pas eu de course sprint, si. On a eu une course sprint en Azerbaïdjan. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le dernier Grand Prix d'Azerbaïdjan, je vous laisse aller le voir. Il est disponible sur ma chaîne YouTube. 9 tours à couvrir en gomme la gomme rouge qui se dégrade beaucoup selon les Grands Prix. Malheureusement, malheureusement, j'ai pas, voilà, j'ai pas. Ça se dégrade beaucoup, malheureusement.
et 11 tours en gomme médium. Alors on pourrait faire rouge du rouge hard, mais on va rester on va se contenter de rouge médium. Alors c'est parti pour ce sixième tour de formation. Les voitures débutent le tour de formation sur une piste ensoleillée. Il sera intéressant de voir si les conditions météo auront un impact sur la durée de vie des pneumatiques aujourd'hui. Les monoplaces viennent se positionner sur la grille à quelques instants du départ de ce Grand Prix. Espérons que la course sera mémorable aujourd'hui. Voilà, le Grand Prix, le tour de formation de ce Grand Prix de Miami est désormais terminé. On va se replacer sur la grille et monter le volume. Et rendez-vous au premier virage. C'est un très 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 mauvais départ. On laisse s'envoler Verstappen là d'un coup. On n'aurait pas un problème avec la boîte de vitesse là. Ah si. Eh si. On commence à avoir des problèmes avec les pièces là. On voit un Verstappen qui s'échappe. Est-ce qu'on va tenir avec la boîte de vitesse là? Verstappen qui malheureusement va terminer ce tour en tête. Faut essayer de se remettre à l'abri, enfin, faut essayer de se remettre dans le DRS de Verstappen. Attention, le travers, léger travers à la sortie du troisième virage. Meilleur temps pour Max Verstappen. Faut essayer un petit peu de se remettre à l'affût du DRS de Verstappen. Une seconde 4, une seconde 5. Ah, il va rien lâcher Verstappen et moi non plus, je vous assure. Heureusement, on a failli se faire doubler par Norris. Tout va bien. Je pense qu'il va falloir
autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Attention le travers. Non mais c'est quoi ce grand prix là, la voiture elle est... Mais là il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas avec la voiture malheureusement. Et j'ai bien peur que je vais être obligé d'abandonner parce que vu l'état des pièces, j'ai bien peur que malheureusement on subisse l'abandon. Le premier abandon de ce Grand Prix, le premier abandon de cette saison. On va essayer d'aller au maximum de ce qu'on peut donner avec la voiture, mais malheureusement, Verstappen est quasiment intouchable, hein, 1 seconde 6, 1 seconde 8. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. Ce que je fais, merci. Peut-être qu'il va reprendre le meilleur temps. Il faut rester collé, il faut rester propre. Je pense qu'il va falloir que je revoie mes réglages pour l'année prochaine, que je refasse l'intégralité de mes réglages pour l'année prochaine, parce que là on a des réglages de début de jeu, donc forcément. Aïe. Je viens de voir un truc. Oh là là, ouais. Et ouais. Et voilà. C'est ce que je redoutais le plus. J'avais bien vu un truc qui me faisait pas plaisir là. C'est la troisième année consécutive qu'on abandonne à Miami. Hein. Une magnifique victoire sur l'autodrome international de Miami. Dites-moi, Jacques, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. Toutes les conditions étaient réunies : vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Voici le vainqueur du Grand Prix et ses deux dauphins qui rejoignent le podium. Ces trois-là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement disputée. Alors, je vous cache pas que je suis un peu déçu parce que du coup ça va se terminer prématurément. Ça
ça va se terminer prématurément, malheureusement. Ce Grand Prix, j'en suis vraiment désolé. Le leader du championnat qui a vu son avantage se réduire. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui, Jacques. Et malheureusement, qui choisiriez-vous comme malheureusement. Pilote du jour ? Max Verstappen semblait se faufiler avec une facilité déconcertante. Ah, on va en avoir des problèmes avec. Il va falloir changer. Constructeur. La plus jeune des écuries se hisse au sommet du classement. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui, qui monte dans le classement. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Alors ça m'embête un petit peu parce que du coup je laisse filer des points. On va voir au championnat dans quelques instants. Mais c'est comme ça, c'est la dure loi de la Formule 1, la fiabilité des pièces malheureusement. C'est comme ça. La victoire donc de notre coéquipier Max Verstappen devant Lando Norris et Carlos Sainz. Quatrième position pour Oscar Piastri devant Albon. Tout le monde est remonté d'une place en fait. Fernando Alonso sixième. Kevin Magnussen 7, 8 pour George Russell. 10 pour Lewis Hamilton. 9 pour Hamilton et 10 pour Leclerc. Et puis, si on descend plus bas... notre abandon, on a gardé le point du meilleur tour et malheureusement, qu'est-ce qui se passe au classement? Il se passe que Verstappen revient à 9 points, 6 courses couvertes et Verstappen peut potentiellement redevenir champion du monde cette saison. Alors, il y a beaucoup de combats à tous les étages, puisqu'il y a combat ici entre moi et Verstappen. Mais il y a combat également entre Alonso et Norris. Il y a combat ici avec Hamilton. Il y a combat également ici entre Piastri et Russell. Et il y a combat entre tout le reste du plateau, malheureusement. Bon, il y a une marge de manœuvre. On a le droit à un seul abandon par saison. Et voilà, on continue notre ascension. 107 points d'avance. Merci Verstappen. À Max de ramener les points pour l'écurie. Je pense que sans lui, on n'en serait pas là. Mercedes 3ème. Mercedes qui est en bataille avec McLaren. Donc il va falloir faire attention à ça aussi. Je suis vraiment, vraiment désolé après, je n'ai pas à m'excuser. Hein. C'est les choses qui arrivent. Elle aura été vraiment, vraiment courte. Il aura été vraiment court ce Grand Prix. Malheureusement, c'est comme ça. Et malheureusement. On ne pourra pas faire autrement pour ce qui est de ce Grand Prix, malheureusement. Tu devrais investir dans nos infrastructures. Et il va falloir continuer à assurer un peu. Pour l'instant je peux pas investir parce que je pense aussi à l'avenir et l'avenir malheureusement se fait avec Verstappen. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. L'avenir se fait avec Verstappen. Pas une décision facile, mais tu as parfaitement géré la situation. Merci. Il va falloir se rattraper à Imola. Eh oui. Il va falloir se rattraper à Imola. Et malheureusement, regardez, l'électronique de commande, on va devoir en prendre déjà. On va devoir changer certaines pièces déjà. Je pense... tout changer pour le coup, là. Au moins, on sera tranquille.
Voilà donc messieurs, dames, c'est là-dessus que cette vidéo va se terminer. Je suis vraiment désolé, elle aurait été vraiment, 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 vraiment très courte puisqu'on a abandonné dès le quatrième tour. Vous inquiétez pas, on se rattrapera à Imola et si je ne m'abuse, c'est malheureusement c'est notre deuxième abandon à Miami en trois saisons puisqu'on a remporté le Grand Prix de Miami l'année dernière. Donc la saison précédente, pardon. Et donc, on termine malheureusement l'année sur un abandon. J'aurais préféré terminer sur une victoire. Malheureusement, je ne pense pas assez régulièrement à regarder l'état des pièces. Malheureusement, moi, je tourne les épisodes et je ne pense pas à regarder régulièrement les pièces. Vous allez vous dire, oui, t'as beaucoup d'argent t'as beaucoup d'argent, pense à investir. Pensez à investir, c'est bien. Mais penser à garder son duo de pilote, c'est encore mieux. Et là, je pense à l'avenir. Et l'avenir se fait avec Max Verstappen. Donc voilà. À la reprise, donc, dès exceptionnellement le mardi. Le mardi 2 janvier, pardon. Exceptionnellement, vous aurez deux épisodes du mode carrière My Team pour combler justement. Alors, faut savoir que à la reprise des tournages, vous aurez lundi et vous n'aurez pas mardi. La diffusion reprendra qu'à partir du mercredi. D'accord ? Le tournage lui reprend le mardi 2. D'accord ? Donc vous aurez une vidéo le 1er janvier avec mes vœux, tout ce qui va avec mes vœux, tout ce que je souhaite, ce que je vous souhaite. Enfin bref, vous aurez une vidéo le 1er janvier et du coup vous n'aurez pas parce que là voilà quoi. Bon, on verra, mais en tout cas on se refera à Imola, puis en Espagne et on se rendra donc au Canada. Et en Autriche et en Grande-Bretagne. Voilà. Je crois que la trêve se fera en Hongrie. C'est même sûr. Donc il nous restera, 2, 4, 6, 7 Grands Prix. Il nous reste 7 Grands Prix encore à couvrir avant la trêve. Avant le Grand Prix de Belgique et puis après on aura le dernier tiers du Grand Prix dernier tiers de la saison à remplir avec la reprise au Grand Prix de Belgique avec le Grand Prix de Belgique, le Grand Prix des Pays-Bas, Monza, Japon, Qatar, Texas, Mexique, Brésil, Portimao et Abu Dhabi pour terminer. Ah là, malheureusement, j'aurais voulu terminer l'année sur une victoire, mais voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, la fiabilité des pièces, on ne contrôle jamais rien. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment que je jette régulièrement un œil sur la fiabilité des pièces. Là, dès le sixième rendez-vous, on a abandonné, malheureusement. On a déjà couvert 6 grands prix sur 23, c'est un quart seulement. On aura fait un tiers du Grand Prix, c'est-à-dire la moitié du Grand Prix au 11e rendez-vous, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e rendez-vous, je pense que ce sera Imola 7, 8 Espagne, 9 Canada, 10 Autriche et 11 en Grande-Bretagne. Donc on sera à la moitié de la saison en Grande-Bretagne. D'accord ? On aura déjà fait un tiers. Donc il nous restera encore 11 Grands Prix à couvrir après, à partir du Grand Prix de France. D'accord ? Donc voilà, c'est là-dessus donc que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures sur la Formule 1. D'ici là, moi je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Vous êtes au cœur hein, de ces fêtes de fin d'année.
soyez prudents, que ce soit pour vous ou votre entourage, pardon, si vous avez trop bu, ne repartez pas, ne reprenez pas la route si vous avez trop bu entre Noël et entre au Nouvel An. Voilà, ne repartez pas si vous buvez trop, si vous avez l'intention de boire au Nouvel An, ce qui est normal après tout, puisque c'est une nouvelle année ça se fête. Mais si vous avez l'intention de boire, n'hésitez, ne prenez pas surtout le volant. Je suis vraiment désolé de terminer l'année comme ça, mais voilà, c'est comme ça, c'est la fiabilité. Merci à tous et à tous pour cette année qui aura été magique, que ce soit de janvier à aujourd'hui, en décembre. Vous avez eu la rétrospective de Twitch qui a été disponible sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller le revoir. 337 vidéos tournées, c'est beaucoup pour une année. On va essayer de faire un petit peu plus l'année prochaine. Le record, c'est 337. On va essayer de passer un petit peu plus. Le but, ça va être de gagner de la visibilité et de faire grandir encore et encore et encore ces réseaux sociaux. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant au niveau radio, puisque tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'est une pause qui a été imposée par mon directeur d'antenne et par mon directeur d'antenne et par le reste de l'équipe, le reste de la direction et par mon directeur d'antenne. Je ne peux pas vous dire si, parce que j'ai pas le droit déjà de base, et moi je ne sais pas déjà ce que je ferai. Je ne peux pas vous dire si je continue la radio ou si j'arrête. Tout ce que je peux vous dire en ce moment, c'est qu'à l'heure au moment où je tourne cette vidéo, je suis en pause imposée par mon directeur d'antenne. Donc je ne peux pas aller contre la volonté de mon directeur d'antenne. Et si jamais je continue, je vous le ferai savoir. Ou si j'arrête pour développer mon côté gaming, je vous le ferai savoir également. Très 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 belle fête de fin d'année. Vous êtes au cœur des fêtes de fin d'année, puisque voilà, au moment où je tourne cette vidéo, on est après Noël. Donc j'espère que vous avez été gâtés pour vos cadeaux de Noël. J'espère que Papa Noël a été gentil avec vous. Moi, il n'a pas été il a été gentil sans... j'ai été gentil, j'ai été pas forcément gâté parce que, j'ai plein de choses. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, j'espère que vous passez du bon temps en famille, entre amis aussi, c'est possible. Voilà. N'oubliez pas qu'il reste encore le Nouvel An à fêter. Moi, je vais le fêter. J'ai des amis qui viennent le fêter avec moi. Des amis qui viennent le fêter avec moi. On va commencer vers 21h30 et on terminera vers certainement 1h ou 2h du matin. Voilà. Très, 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 très belle journée et très, très belle soirée à vous si vous voyez cette vidéo en soirée. Vous êtes déçus, je sais, parce que vous vous attendez à une bataille avec Verstappen. J'avais une bataille avec Verstappen. J'étais en train de revenir sur Verstappen, malheureusement. La fiabilité, voilà, très bonne soirée à tous et à très vite pour de nouvelles aventures gaming. Ciao, ciao.